Il est l'essence même, le noyau sous nos parois. Comme la dernière des poupées russes, sous le savoir des centenaires, l'essence même. Le noyau sous nos parois, comme la dernière des poupées russes. L'or du commun, aux antipodes du bénéfice de l'homme d'affaires, abrite chaque œuvre qu'un individu lambda fait. Mon objectif, démasquer la valeur de l'homme ordinaire, discret comme la marque jaune, façon blé qu'est Mortimer. J'ai parlé d'or, mais pas de billets, ni de gros appâts. Aucun code barre sur la fierté de Rosa Parks. À part ça, des heures d'image qui grimpent le long de ma page vide, comme si j'arrosais les fleurs du mal. Ma science m'a permis d'épiler ma paume, de devenir plus sensible qu'un hématome quand j'écrivais l'ambiance de Bruxelles, de son époque, de sa jeunesse qui planque sa bonté sous son étoffe. Elle frappe, 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 frappe encore pour ne pas qu'on repère sa grâce. Et aujourd'hui c'est comme ça qu'on est fort, mais l'or du commun n'a pas de prix. Certains le montrent, beaucoup le dissimulent. Moi je l'écris car c'est l'essence même. Le noyau sous nos parois, comme la dernière des poupées russes, sous le savoir des centenaires, l'essence même. Le noyau sous nos parois, comme la dernière des poupées russes, sous le savoir des centenaires, c'est l'essence même. Le noyau sous nos parois, comme la dernière des poupées russes, sous le savoir des centenaires, l'essence même. Le noyau sous nos parois, comme la dernière des poupées russes.